Bonjour chers amis de Décibel et d'ailleurs. Aujourd'hui c'est le grand guitariste et pédagogue Pascal Vignier qui vient nous rendre visite à Décibel. Bonjour Pascal. Salut. Et merci de venir nous voir depuis le Grand Est. Eh ben, avec plaisir. Tu es professeur de guitare depuis bientôt 20 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ta façon d'enseigner et de son évolution depuis que tu as commencé? Tu insinues que je suis vieux, c'est ça? Non, bah attends, c'est pas grand chose. Pour moi, enseigner déjà, ça a été mon premier revenu en tant que musicien professionnel ou en voie de professionnalisation. Donc déjà, c'était un moyen pour moi d'avoir un revenu régulier et fixe. Donc j'avais pas pour vocation forcément à enseigner au début, mais j'ai eu cette chance de pouvoir enseigner tout de suite dans une école qui s'appelle Music Academy International, grâce à l'ancien directeur pédagogique Hans Kulok, qui est le premier à m'avoir donné ma chance en tant que musicien. Et donc je me suis retrouvé enseigner auprès d'un public super motivé, puisque c'est une école quand même qui a un certain niveau d'exigence, et à l'époque c'était vraiment très très flagrant. Et donc, je me suis retrouvé finalement à 24 ans à peu près à devoir enseigner parfois des élèves plus âgés que moi et, comme je te le disais juste avant, à un niveau assez élevé, donc l'enjeu était quand même assez important. Mais ça m'a permis en fait de m'améliorer aussi en tant que musicien. Le fait de devoir expliquer des choses de manière claire à des étudiants, ça m'a permis de me les réexpliquer à moi-même aussi, donc ça m'a permis aussi de progresser. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, parce qu'on a tendance à penser que quand on a un professeur en face de soi, il détient le savoir et puis il va le donner aux élèves. Mais en fait, moi je me suis beaucoup formé aussi grâce aux élèves que j'ai eus sur toutes ces années, pas uniquement dans cette école, mais aussi ailleurs, en masterclass ou des cours privés. Le fait d'être confronté à des questionnements sur l'instrument, par exemple, d'élèves, ça m'a obligé à sans cesse renouveler ma vision et de la pédagogie, en fait, et toujours essayer de trouver les meilleurs outils pour pouvoir transmettre ce que j'avais à transmettre, parce que moi j'avais une approche qui était assez instinctive à la base, je ne me posais pas beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que certains étaient confrontés à des difficultés, que donc il fallait éclaircir des points de détail à certains moments, quoi. Donc j'ai développé, c'était pas du tout planifié, quoi, j'ai développé cette pédagogie avec le temps, ce qui m'a amené à un moment donné aussi à me dire que j'avais des choses à transmettre via ma chaîne YouTube par exemple, et donc aussi par les masterclass, par différents canaux. Donc il y a ça d'un côté, puis il y a ma carrière de musicien de l'autre, c'est-à-dire que je fais une musique qui est instrumentale, donc qui se prête bien aussi à la pédagogie. Et avec le temps, il y a des passerelles qui se sont faites entre le côté pédago et le côté artistique. Et donc ça fait quelques années maintenant que tous les gens que j'ai connaissent ce que je fais en tant que musicien. Et donc il y a ce côté, cette double casquette, à la fois d'enseigner la musique, mais en lien avec ce que je fais moi artistiquement. Donc j'ai un peu le meilleur des mondes, et j'ai cette chance aussi d'enseigner à des publics exclusivement très motivés, quoi, qui ont une passion dévorante pour l'instrument. Ce qui fait que selon le type de public, tu le sais aussi parce que tu enseignes, mais selon qui tu as en face de toi, ça fait toute la différence. Si tu as quelqu'un qui n'a pas envie, qui est un peu par hasard d'un côté et de l'autre, tu as vraiment quelqu'un qui a cette passion dévorante, tu arrives à un niveau d'échange qui n'est pas du tout le même. Et donc moi, j'ai eu cette chance d'avoir toujours des publics très motivés, avec une très forte exigence. Et donc ça m'a toujours maintenu, si tu veux, un haut niveau de jeu, de pédagogie, etc., quoi. Donc je me suis beaucoup formé avec les années. C'est évident qu'en 20 ans, il y a une évolution énorme chez moi. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très exigeant, très dur. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça ne marchait pas forcément avec les autres, et qu'il fallait faire preuve de bienveillance, et c'est des choses que j'ai développées avec le temps, quoi. Au début, j'avais pas du tout ça. Donc, c'est aussi le privilège de l'âge et de l'expérience de pouvoir garder cette exigence, mais avec la bienveillance en même temps, et je pense que tous les élèves que j'ai maintenant me le rendent bien, quoi. Parler des différentes institutions dans lesquelles tu interviens. Tu as déjà parlé de la MAI, Music Academy International, mais je crois qu'il y en a d'autres. Je suis intervenu dans pas mal d'écoles, mais ponctuellement. Music Academy International, je suis intervenant régulier depuis 2004, donc ça fait longtemps.
Après, par les masterclass, j'interviens dans plein de structures, en France, à l'étranger, dans quelques écoles. J'ai enseigné pas mal de temps au Luxembourg, j'ai fait aussi des interventions en Allemagne. Et après, n'importe quelle école qui veut bien de moi à un moment donné pour une prestation, pour un masterclass, je suis toujours disposé, enclin à faire ce genre d'échange. Après, des fois, c'est une fois, des fois, c'est plus régulièrement selon les institutions, les écoles. Les conservatoires se sont pas mal ouverts ces dernières années aussi, donc justement avec mon trio la semaine dernière, on était dans un conservatoire à Melun qui est assez en avance maintenant sur les musiques actuelles. Et donc voilà, moi je suis vraiment ouvert à tout type d'échanges, de partenariats. Des fois c'est des écoles plus privées, parfois c'est des communes aussi qui... Donc partout où il y a vraiment cet échange de à la fois de pédagogie, d'artistique et du côté plus professionnel, de carrière de musicien, etc., c'est des choses que je trouve toujours très passionnantes. Donc tout type de structure après, tu vois, j'ai pas vraiment de limite, ça dépend juste si on veut bien de moi ou pas. Donc ça se passe plutôt pas mal, on m'accepte encore, donc voilà. On te demande même. Ouais, j'ai des demandes, ce qui est sympa, évidemment, ça fait honneur à tout ce que j'ai mis en place depuis des années en termes de musique, en termes de pédagogie. La chaîne YouTube aussi a joué un rôle ces dernières années, ça c'est indéniable, ça a vraiment apporté un plus. Et puis finalement, le premier confinement, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de lives, des rêves pédagogiques aussi. Et donc ça, c'est pareil, ça a fédéré pas mal d'énergie à un moment donné. Donc du coup, ça a relancé des relances après pour des vraies rencontres et des échanges de pédagogie après plus concrètes, quoi. Hein? Après, ça peut être en ligne aussi. Je fais un masterclass Zoom par mois sur mes réseaux. Donc ça se passe plutôt par mon site. Et ça, c'est pareil, ça a permis à des gens qui étaient un petit peu partout dans le pays de se rencontrer, qui ont été à l'initiative de la PV Rock School. C'est une école qui a été fondée en ligne... Par la marque Pivi ? Du tout, non. Pivi, c'est mes initiales, Pascal Vignier, en fait. Et c'est des gens, en fait, que j'avais en masterclass Zoom qui se sont rencontrés, qui ont sympathisé, puis qui m'ont dit on n'a pas d'espace pour échanger, pour interagir, etc. Et donc, ils m'ont demandé l'autorisation d'utiliser mon nom pour faire une école sur Facebook privée. Et donc, il y a un peu plus de 200 personnes, anciens élèves comme toi, élèves actuels et élèves que je n'ai pas pu prendre et qui vont sur les masterclass ou qui achètent les packs pédagogiques sur mon site. Et donc on se retrouve là et on échange aussi régulièrement. Donc ça permet d'utiliser la technologie, non pas pour être fragmenté, mais au contraire pour se retrouver, pour des événements physiques, pour des rencontres, voilà. Les réseaux sociaux pour servir ta pédagogie, notamment via ta chaîne YouTube que je recommande à tout le monde et dont je mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est gentil. Abonnez-vous aux deux, chaîne YouTube de Pascal, chaîne YouTube de Décibel. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à utiliser ces outils ? En fait, je me suis aperçu avec le temps que j'avais cumulé pas mal de connaissances sur l'instrument, une vision de la guitare basée sur ces années d'enseignement dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, à regarder ce qui se faisait sur YouTube, je me suis aperçu que ma vision, elle n'existait pas en fait. J'avais fait des espèces de connexions avec les élèves que j'avais eus et des approches pédagogiques qui n'existaient pas. Voilà. Et donc j'ai eu envie de partager ça et puis de pouvoir aussi du coup essayer pareil de fédérer autour de ma musique à un moment donné. Différentes personnes, et en fait j'ai commencé ça en 2019, donc assez tardivement. J'avais une chaîne YouTube avant, mais j'y avais quasiment rien dessus. Et moi je vendais beaucoup de contenu pédagogique à des magazines en ligne, à des écoles de musique en ligne, etc. Et puis j'ai commencé à donc lancer ma chaîne YouTube, et puis il y a eu un avant-après Covid, en fait, pour être vraiment franc. Et du coup, on m'a demandé plein de choses pendant cette période particulière, entre mars et juin 2020. Et pour moi, ça a été un canal privilégié. Et puis les choses sont faites de manière un peu accidentelle. J'ai commencé à faire des lives parce que on était tous enfermés, que pour moi c'était un peu oppressant, donc fallait que j'occupe mon esprit, etc. Qu'on regardait beaucoup de gens, beaucoup de gens. J'ai eu des témoignages mais vraiment incroyables. J'ai rencontré des personnes grâce à ces lives. Il s'est vraiment passé un truc à ce moment-là. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué. Mais après.
comment dire, il y a vraiment des youtubeurs qui cherchent à faire des vues, à faire des vidéos, etc. Moi, c'était pas mon but. Moi, mon but, c'était de me servir de YouTube et après de proposer d'autres choses. Des cours, des masterclass en ligne, des packs pédagogiques, d'avoir une visibilité qui me permette aussi après d'exister dans le monde réel pour faire des vrais masterclass, des vrais concerts comme on fait en ce moment. Et donc pour moi, c'était juste une passerelle en fait. Voilà. J'avais pas pour but de faire une vidéo YouTube, voilà, juste des vues pour faire des vues, quoi. Ce que je voulais, c'était un contenu qualitatif et que les gens se disent tiens, j'ai appris un truc. Et donc ça a éveillé une curiosité sur l'instrument pour moi, c'est tout ce qui m'intéressait en fait. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça, ça a été un très bon canal pendant cette période, et j'ai fait plein de lives, et j'ai adoré faire ces lives YouTube en fait. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui critiquent ça, moi j'ai adoré, ça ne remplace pas les vrais concerts que j'adore aussi, mais je ne les oppose pas du tout, et du coup je me suis éclaté à faire ces lives, à répondre aux questions, à avoir les habitués qui viennent, à être fédéré après via tous les autres moyens, à rencontrer des gens, j'ai rencontré des personnes incroyables et qui me sont vraiment proches aujourd'hui, grâce à cette période qui, pendant laquelle je suis content d'avoir réussi à utiliser la technologie pour nous rapprocher en fait, et pas pour nous éloigner, nous fragmenter, ce qui peut être un peu parfois la dérive, c'est-à-dire qu'on a tous notre ordi, on a tous notre studio, on est tous à distance, et moi la musique, la notion de partage est super importante, et j'aime bien que ça se traduise à un moment donné par une rencontre et par un véritable échange, en vrai, mais aussi via, tu vois, par exemple, les masterclass Zoom qui sont extraordinaires parce qu'on voit tout le monde, on échange. Et ça a même permis à des gens de se rencontrer dans la vraie vie après. Et donc, j'étais super fier de tout cet accomplissement. Tu vois, au-delà du côté vue YouTube, ouais, il y a eu des vidéos qui ont fait plein de vues. Il y a eu une explosion d'abonnés. Il y a eu des donateurs pendant des mois qui ont donné de l'argent via le Super Chat et via PayPal pendant des mois et des mois et des mois et des mois, quoi. Donc... je remercie évidemment à toutes ces personnes qui ont acheté les albums, qui ont acheté les packs. Moi, j'ai bénéficié d'une générosité incroyable pendant une période très trouble. Et si à mon tout petit niveau, j'ai pu faire un peu de bien à ces personnes-là, et ça avait l'air d'être le cas, parce que le dernier live du confinement, moi, j'ai versé ma larme, quoi. Et il y avait des gens sur le chat qui pleuraient aussi, quoi, tellement on a vécu une période particulière. Et alors, dit comme ça semble bizarre, parce que tu as juste un chat et... mais il y avait vraiment quelque chose, il y avait un échange qui était juste incroyable en fait. On le voit sur les lives, on peut continuer à les regarder en différé du coup, mais et le chat apparaît à côté. Et c'est vrai qu'on peut lire les messages et tout, et il y a des trucs qui sont... Le dernier live du confinement, c'était je sais plus le 11 mai, un truc comme ça, ou un petit peu avant, c'était une demi-heure de cœurs sur le chat, de gens qui balançaient des dizaines de cœurs, de merci, et on sentait l'émotion... c'était vraiment étrange, quoi. Et en même temps, moi j'étais bouleversé de tous ces retours, et moi j'ai eu aussi des messages de soignants en privé pendant cette période là qui me disaient qu'ils allaient travailler la boule au ventre et qu'ils changeaient les idées en regardant les lives sur la chaîne et en parlant avec les autres, et que du coup c'était leur bouffée d'oxygène. Donc c'est des vraies leçons d'humilité, parce que moi je suis juste là avec ma guitare dans une pièce, mais il y a des gens qui allaient vraiment... à l'époque, en plus, on ne savait pas du tout ce que c'était, quoi. Et donc, il y avait une espèce de grande inquiétude, et j'ai reçu des témoignages comme ça, mais incroyables. Donc, du coup, ça donnait sens aussi à cette démarche-là, quoi. Et moi, j'ai utilisé vraiment YouTube pour ça, en fait, pour échanger avec les gens pendant cette période-là, et puis après, pour transmettre des contenus pédagogiques que je ne voyais pas ailleurs. Donc, je me disais, voilà, j'ai une expérience de 20 ans d'enseignement, parce qu'on voit des YouTubeurs qui partagent des choses, mais dont ils n'ont jamais fait l'expérience. Et ils prennent des conseils à droite à gauche, ils font une vidéo, puis ils disent faut faire ci, faut faire ça. Et comme tu sais, puisque ben voilà, je t'ai eu aussi en cours il y a quelques années maintenant, donc toute cette expérience-là, nous on l'a vécue en cours, et c'est des choses vraiment qu'on a travaillé ensemble, etc. Et je me suis dit, voilà, j'ai des choses à transmettre à mon âge maintenant, à l'âge que j'ai envie de le faire, puis on verra bien ce que ça donne. Après, ça a super bien marché, mais moi, la conséquence, si tu veux. Les vues, le succès, tout ça, moi je suis très reconnaissant, hein, mais en fait je m'en fiche, tu vois, c'est pas... Si je suis content de ce que je fais, déjà, c'est une grande satisfaction, aussi bien musicalement que pour ces vidéos-là, je suis très content de proposer tout ça, puis après si ça marche, c'est bien, puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, parce que je suis content de l'avoir fait, quoi, donc... T'es en accord avec toi-même. Exactement, je suis plus dans cette démarche-là, sinon j'aurais pas fait de guitare, j'aurais fait autre chose, tu vois, si je cherchais vraiment le... Mais après, je sais que la chaîne, elle a vraiment, vraiment cartonné à un moment donné, et c'est chouette, mais tu vois, maintenant, en ce moment, je suis moins sur YouTube, et ça m'est égal, tu vois. Je suis très content aussi de faire d'autres choses.
Là, on a repris la vie. Ouais, j'y reviendrai, c'est des périodes, tu vois. Mais pour moi, YouTube, c'est pas un but en soi, en fait. C'est, j'adore YouTube, mais c'est un média, c'est un moyen. Mm-hmm. Mais je passe pas ma vie non plus à vouloir faire des trucs sur YouTube. Les packs pédagogiques, pour moi, c'est devenu vraiment très important. Les masterclass, répondre aux demandes de cours que j'ai, parce que j'ai une liste d'attente de je sais pas, 150 élèves. Évidemment que je peux pas prendre, je peux pas donner 150 heures de cours par semaine. Donc j'ai 10 élèves pour tout, privé. Et le reste, je les réoriente vers les masterclass Zoom, vers les packs pédagogiques, etc., vers les albums, vers tout ça. Mais je veux pas non plus que ces gens puissent avoir accès à des contenus aussi, quoi. Donc mon but à l'heure actuelle, c'est plus de faire des contenus via mon site, d'avoir une offre de programmes pédagogiques sur tous les domaines qui permettent vraiment à n'importe qui de progresser. Et puis je me sers de YouTube un peu pour promouvoir ça, mais je suis pas là, je suis plus à la course aux abonnés ou aux vues. Voilà, j'ai une communauté qui est sympa, qui me suit, c'est cool. C'est l'essentiel. Exactement. Ton site, c'est quoi déjà ? PascalV.com. PascalV.com, d'accord. Et pour ceux qui veulent vraiment être au courant de toutes les infos, il faut juste s'inscrire à la newsletter en bas de la page. Je communique une fois par mois, il y a toutes les infos sur. Sur les actus d'albums, sur les masterclass en ligne, mais les masterclass aussi physiques, sur les concerts, sur l'actu à venir, quoi. D'accord. Donc, je mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Clairement. Qui va suivre, du coup, tu es accompagné de deux excellents musiciens, donc le batteur Jean-Christophe Bauer et le batteur Aurélien Ouzoulias. Ouais. Comment est-ce que tu en es venu à travailler avec eux ? Alors, Aurélien, je le connais depuis assez longtemps et c'est l'ami d'un ami qui a fait le MAI avant moi. Et donc, je l'ai rencontré par son intermédiaire, donc il y a un bon bout de temps, on s'est pas mal croisé. C'est le batteur de Christophe Godin aussi, avec qui à un moment donné j'ai été amené à tourner, donc du coup, j'ai aussi joué avec Aurélien, donc on se connaît depuis assez longtemps. Et puis, j'ai changé de batteur il y a quoi, en 2016, donc il y a un peu plus de 5 ans. Et puis, donc c'était vraiment le batteur idéal pour moi, qui a vraiment la culture de cette musique-là. Et puis aussi, qui a vraiment une personnalité super ouverte et qui est vraiment quelqu'un qui a toutes les qualités pour faire ce genre de musique et dans ce genre de contexte. Et puis, Jean-Christophe, je l'ai rencontré dans un groupe de reprises dans lequel j'ai joué à un moment donné, et puis j'ai vraiment craqué sur sa personnalité, son jeu. Il avait vraiment un côté très rock'n'roll qui me plaisait bien, il se déplaçait beaucoup, il animait la scène, il était présent, et c'est une composante que je voulais absolument avoir dans le trio, quoi. C'est à bout de la musique instrumentale, j'avais pas du tout envie que ça soit une musique trop concentrée, c'est une musique concentrée quand même, mais j'avais pas envie, si tu veux, que ça soit une musique trop cérébrale et trop retranchée, en fait, sur l'instrument. J'ai envie de garder ce côté rock'n'roll que j'aime beaucoup, même si encore une fois, dans ce contexte-là, c'est un peu plus difficile, parce qu'on a quand même une musique qui est technique, donc il faut quand même... Il y a des passages, on peut pas se permettre d'être là, yahoo, tu vois, on est obligé de garder l'œil sur le manche. Et j'aime beaucoup sa personnalité aussi musicale, il apporte beaucoup au compo. Quand on enregistre, il arrive toujours avec des idées aussi, mais sans égo, quoi. C'est-à-dire qu'il propose, ça marche pas, tu vois, ça se passe bien. On est vraiment dans l'échange d'idées, et puis il a un vrai son, une vraie personnalité dans le son, quoi. C'est-à-dire qu'il est identifiable, et puis c'est très solide. C'est une section basse-batterie qui est très solide, ce qui est très important en tant que soliste. C'est de pas avoir de doute, quoi, sur ce qui se passe derrière, notamment pour le live, évidemment, parce que sinon ça fragilise énormément la prestation qu'on a à faire, quoi. Donc c'est très solide, il y a ce grain de folie qui pour moi est important. Je veux pas que ça soit trop sérieux tout le temps. Je veux qu'on garde ce grain de folie, cette complicité, cette espèce de truc dans le regard où à un moment donné ça peut partir un peu, tu vois, en live. Enfin, pour moi c'est important qu'on ait ce côté-là de bonne camaraderie et puis de pas trop se prendre au sérieux non plus, quoi, tu vois. Alors évidemment il faut interpréter les titres titre par titre. Il y a des titres qui sont très dramatiques, très tristes, et là bien évidemment on va pas être là à sauter partout et Mais il y a des moments d'échange où il faut justement ça, quoi. Il faut cette interaction. Et moi, j'ai jamais perdu le côté groupe de garage, en fait. Tu vois, quand j'ai commencé dans un garage avec des potes. Et je veux garder cet état d'esprit-là. Pour moi, c'est vraiment super important.
Et on peut analyser cette musique-là à un moment donné. Il y a un côté pédagogique, oui. Il y a un côté sérieux, analytique aussi. Mais il y a un côté aussi très organique, très, très instinctif et très à forte charge émotionnelle, tu vois, à vraiment réagir sur le moment. Et il faut toujours garder un bon équilibre là-dedans, de manière à pas sombrer dans quelque chose de trop sérieux, de trop formel. Voilà. Le formalisme, il faut aussi en sortir. Et la musique, le spectacle vivant, c'est quand même quelque chose où il doit se passer quelque chose sur scène qui relève aussi du corps, de comment tu habites l'espace, de comment tu communiques avec les gens, etc. quoi. Donc pour moi, c'est vraiment la section rythmique parfaite, quoi. Pour mon trio, c'est vraiment... Tu vois, j'ai eu beaucoup de bassistes, j'ai eu différents batteurs, et honnêtement, ils ont vraiment les qualités pour... dès que je pars en impro, dès que j'ai un grain de folie, ils le sentent tout de suite, quoi. Et ils me suivent, et donc il y a cette espèce d'interaction, et en même temps, ils savent s'adapter à la seconde près, au titre, à l'esprit. Ils n'ont plus rien à prouver, non plus en tant que musicien, donc ils ne sont pas là pour mettre en avant des choses qu'ils savent faire, mais ils sont toujours au service aussi. Et ça, c'est une qualité qui est indispensable quand on travaille avec un compositeur, c'est d'être capable de comprendre l'esprit des morceaux. S'il faut un seul coup de grosse caisse et une seule note, ils la mettront. S'il en faut plus, voilà, ils savent vraiment s'adapter à l'univers musical qu'est le mien. Et ça, c'est très important, parce que tu peux croiser des musiciens super bons, mais qui vont chercher à placer des choses parce qu'ils ont besoin de placer leur ego, parce qu'ils n'ont pas fait la carrière qu'ils voulaient faire, et donc ils ont encore des choses à prouver. Et eux, c'est pas le cas, en fait. Et en plus, en tant que basse batterie, ils ont vraiment une identité. Et donc, pour moi, voilà, c'est vraiment super de jouer avec eux, quoi. Je crois que dans peu de temps sortira le 5e album de Triple FX. Un petit mot sur sa conception. Ouais, alors je sais pas si ça va s'appeler Triple FX, s'il est possible que ça s'appelle Pascal Vignet. Triple FX, c'est un nom de projet en fait que j'ai utilisé au début quand j'étais plus jeune, parce que j'assumais pas d'utiliser mon nom. Je trouvais ça prétentieux, je me disais qui je suis pour prétendre sortir des choses sous le nom de Pascal Vignet. Donc je m'étais un peu caché sous cette appellation. Aujourd'hui, je sais pas trop, des fois les gens disent Triple FX, des fois ils disent Pascal Vignet, je sais pas. À mon avis, ça va plutôt sortir sous l'appellation Pascal Vignet. Donc on peut le voir comme un 5e album, effectivement, mais peut-être comme un album solo, peut-être que je suis prêt à l'âge que j'ai maintenant d'assumer, d'utiliser mon nom et de l'écrire vraiment sur un album et sur des affiches, pourquoi pas. Mais j'avais besoin de faire des nouveaux titres, il y a des choses nouvelles dans cet album, il y a des éléments... d'arrangements qui sont nouveaux, il y a quelques séquences, il y a des synthés, des instruments virtuels, etc. Bref, j'avais envie de me renouveler un petit peu, et donc ça m'a pris énormément d'heures de recherche. Alors quand on écoutera l'album, c'est pas apparent, peut-être que les gens vont se dire « ah bon ». Mais pour moi, ça a été des centaines et des centaines d'heures de recherche, d'essais, d'échecs, de remise en question. J'avais pas envie de sonner comme je sonnais sur les albums précédents. Pour moi, c'était important d'aller au-delà. Alors on retrouve mon style, hein, c'est bien évident. C'est pas de la salsa, quoi. Mais en tout cas, j'ai cherché à me renouveler beaucoup. Le concept, c'est un album qui est basé sur les machines. Donc chaque titre, presque chaque titre, 90% des morceaux sont basés sur les machines. Donc voilà, la pochette aussi sera en accord avec ça. Et donc ça va être. J'ai hâte de pouvoir jouer tous ces morceaux-là sur scène. On en joue deux déjà, de nouveau. Et donc il sera normalement finalisé début 2022 et je pense qu'il va sortir à peu près au printemps. D'accord. Voilà. Donc un album, ça permet vraiment d'avancer aussi. Donc avoir eu cette échéance de devoir faire un nouvel album, ça m'a forcé à aller de l'avant, à aller explorer des nouveaux titres, etc. Mais le problème maintenant, c'est qu'on a un répertoire qui est très très dense. C'est-à-dire que avec 5 albums, on a plus de 50 morceaux, et 50 morceaux instrumentaux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc à entretenir, c'est quand même assez compliqué. Là, on a une setlist de 20 titres en ce moment pour les lives, et voilà, c'est pas... Faut quand même du travail en amont, quoi. Ouais,
un 20 titres de musique progressive instrumentale. C'est ça. Alors, en ce moment, on est en train de fêter les 10 ans de l'album Minuit sur les toits. Ouais. Donc en live, pour l'instant, on joue l'album en intégralité, plus d'autres titres, des anciens, des nouveaux, etc. Mais en tout cas, on a cette base de... Puisque les gens, pour ceux qui me connaissent, m'ont identifié et m'ont relié à cet album, qui a une place, je pense, particulière dans ma vie de musicien. Donc je suis très content aussi qu'on puisse faire un petit hommage 10 ans après, quoi. On nous demande souvent le temps qu'il faut passer par jour sur l'instrument pour progresser. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur la question ? J'ai un avis, je peux donner un avis. La quantité de temps, elle n'est pas définie. C'est-à-dire que la question, c'est pas de savoir si tu vas jouer une demi-heure, une heure ou 10 heures. La question, c'est les qualités que tu vas mettre en œuvre pendant cette période de temps. Voilà. Si c'est du labeur, si tu n'as pas de motivation, si tu n'as pas d'envie, si tu n'as pas d'amour pour ce que tu fais, tu peux y passer 10 heures, tu auras très peu de résultats. A contrario, si tu joues une heure tous les jours, ou une demi-heure, même une demi-heure, hein, mais que tu aimes ce que tu fais, tu as une passion dévorante, tu as une envie, tu as le feu en toi, et ça te fait rêver, et les musiciens que tu écoutes, ça te transporte, t'es capable en gros d'accomplir n'importe quoi. Et donc ce qui compte, c'est pas la quantité de temps, mais c'est dans cette quantité de temps, on est d'accord, il faut quand même une certaine régularité. Et c'est évident que si tu fais un quart d'heure toutes les 2 semaines, t'arriveras quand même pas à grand chose. Donc il faut une régularité, mais ça je peux pas la donner, parce que ça dépend des gens. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 3 heures, c'est des périodes. Des fois on va jouer 8 heures d'affilée, des fois on va jouer une demi-heure, mais c'est pas une ordonnance. C'est-à-dire que je peux pas te prescrire à toi une heure de cours en te disant tu auras un résultat. Parce que ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qu'on ne peut pas enseigner, c'est-à-dire les qualités humaines que tu vas mettre en œuvre, tu vois, qui sont très personnelles. Est-ce qu'il y a un exercice pour apprendre à aimer à jouer de la guitare ? Est-ce qu'il y a un exercice pour être motivé ? Est-ce qu'il y a... Non. Nous, ce qu'on peut faire, toi, ce que tu fais aussi, j'imagine, c'est que tu peux transmettre ton enthousiasme, ta passion, mais après, c'est l'individu qui va faire la différence. Donc, lui donner les meilleurs outils, le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Mais il faut toujours se poser la question de est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que ça me donne envie et est-ce que ça me fait rêver. Et c'est pour ça que tout ce qui est plan de travail très, très étroit, très programmé, très rationalisé, pour moi n'ont une efficacité que limitée. Parce qu'au-delà d'un plan de travail, au-delà d'une méthode, encore une fois, ce qui fait la différence c'est la passion et l'envie. Donc la passion et l'envie, une fois que tu les as, il n'y a plus d'ordre. C'est-à-dire que tu peux commencer à apprendre par des solos, tu peux commencer par des arpèges, tu peux commencer par des accords, par des gammes, mais ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, petit à petit, les pièces du puzzle, tu vas les rassembler, parce que cette envie va faire que la difficulté, le labeur vont disparaître, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, tu ne les sens plus. Tu vas juste avoir envie de jouer, être habité par cette envie de jouer. Mais comment enseigner ça? Tu vois, c'est très très compliqué. La seule façon, c'est d'être un petit peu enthousiaste et de témoigner de sa propre passion de l'instrument, je pense. C'est parfois un peu contagieux. Tu vois, mais c'est pas encore une fois une quantité de temps, un plan de travail écrit qui fera la différence. C'est comment tu le fais. Si tu le fais pour t'en débarrasser, ça y est, j'ai fait ma demi-heure de guitare, c'est bon, ça marchera pas. Maintenant, si t'en as envie, si tu l'imagines, tu vibres hein, pour cet instrument-là, si quand t'écoutes les autres jouer, t'as envie à certains moments de pleurer, enfin ça te transporte. Là, t'es capable en fait d'accomplir n'importe quoi. Et même les guitaristes qui ont un niveau stratosphérique, en fait, c'est accessible à tout le monde, parce que, en gros, dans le fond, c'est avoir ces qualités-là qui sont nécessaires. Il faudrait ne plus compter ses heures, je pense. Mmh. Tu vois ? Mmh. Ok, aujourd'hui c'était une demi-heure, demain ça sera 3 heures, dans 4 jours ça sera autre chose, mais à chaque fois, si je suis capable de renouveler toujours cette envie, cette pratique, et d'être en quête de sensations, tu vois, le toucher, vraiment sentir les cordes sous les doigts, être connecté à l'instrument, voir ça comme une magnifique extension de soi, ressentir les vibrations, ben c'est gagné, quoi, parce que là, tu es vraiment dans l'essentiel, en fait. Donc, tu vois, cette quantité de temps, oui, il faut une régularité, mais encore une fois, c'est au cas par cas, et c'est surtout comment tu l'envisages. Thank you.
1927, quand j'ai commencé, les cordes étaient en boyaux et il a fallu une évolution